Hello tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans un autre décor que Emma lit des livres. Comme vous le voyez, je suis dans mon décor d'Emma Cakeup. Je suis là pour faire un petit point de ma chaîne Emma lit des livres, car je n'ai jamais parlé exactement de ce que j'allais faire sur cette chaîne, et surtout parce que j'ai vu un article dans le Figaro qui parle de youtubeurs et je suis dedans, et ils ont dit que j'avais une chaîne où je faisais des critiques de livres. Voilà, donc je compte parler un peu de tout ça parce que je ne fais pas de critique de livres. Je compte juste m'expliquer un peu sur ça, sur le but de ma chaîne, et puis aussi vous dire la fréquence des vidéos, enfin bref. Emma lit des livres, qu'est-ce que c'est? En gros, sur cette chaîne, je vous présente un livre par vidéo. J'essaye de faire des vidéos assez courtes sur cette chaîne, de 4, 5, 6 minutes, 7 minutes vraiment max. Dans chaque vidéo, je vous fais une petite biographie sur l'auteur, un petit résumé du livre, je vous lis une page. Et voilà, beaucoup de gens ont dit que je faisais des critiques de livres, enfin beaucoup de gens, non. Ma chaîne est perçue comme ça, alors que pas du tout en fait. Le message que je veux passer en créant cette chaîne YouTube et en faisant des vidéos sur des livres, c'est ma passion pour la lecture. Voilà, j'adore lire, depuis mes 13-14 ans, c'est vraiment une de mes passions, lire. Je lis voilà, énormément de livres et j'adore ça. Je trouve que maintenant, beaucoup de jeunes arrêtent de lire. Pourquoi? Parce que bah voilà, il y a l'iPhone, il y a l'ordinateur, il y a YouTube, Internet. Et j'ai envie de donner aux jeunes qui me regardent l'envie de lire. Alors sur cette chaîne, jamais je ne vais présenter des livres que je n'ai pas aimés. Tout simplement parce que voilà, je ne suis pas critique de livres, et les livres que j'ai aimés, je ne fais pas une critique dans le sens ce passage là est très bien écrit, etc. Non, pas du tout. Voilà, c'est juste, je transmets ma passion. J'ai aimé ce livre et j'espère vous le faire aimer. Donc j'espère que j'ai été assez claire sur ce sujet là. Maintenant on passe à la fréquence des vidéos. Je pense faire maintenant une vidéo toutes les deux semaines. Pourquoi? Parce que je trouve que je délaisse un peu ma chaîne et ma cake-up. Voilà, pour l'instant j'ai un peu aussi des petits problèmes d'organisation, mais je compte pas du tout arrêter, hein, ne vous inquiétez pas, hein, absolument pas. C'est juste que voilà, pour l'instant je préfère prendre ce rythme de une vidéo toutes les deux semaines. C'est le début de la chaîne, hein, donc c'est pour ça que c'est un peu lent. C'est la première fois que je présente des livres, je fais des résumés, tout ça, donc c'est un peu dur pour moi. Ne me jugez pas trop en me disant ouais, t'as oublié de faire ça, je trouve que tu parles pas assez de trucs, etc. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je prends toutes vos critiques constructives en considération, et là je vais essayer de m'améliorer pour les prochaines vidéos que je vais tourner. C'était tout ce que j'avais à vous dire, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, et voilà, à bientôt, bye.